Si vous pensez avoir tout vu sur le tennis et que plus rien ne peut vous surprendre, alors nous sommes sur le point de vous prouver le contraire. Parfois des choses étranges se sont produites sur le terrain qui laissent tout le monde sans voix. Nous avons donc fait pour vous une compilation des moments les plus fous de l'histoire du tennis. Cette femme du public a reçu un service assez fort au visage, mais au moins elle a su sauver son champagne. Lors de ce match, Djokovic a frappé la balle dans le derrière de Federer et sa réaction quand il s'en est rendu compte est incroyable. Ce joueur a cru avoir gagné le point trop tôt et en a payé le prix. Pendant le match, Wozniacki a imité Serena Williams en fourrant des serviettes dans ses vêtements. Qu'en pensez-vous ? Regardez ce joueur essayant de récupérer la balle, mais n'arrivant pas à rester sur ses jambes. Pendant ce match, Zumhur a tenté de récupérer la balle, mais a glissé sous le filet. Ce joueur n'a pas pu freiner à temps et a fini par tomber dans le filet. Djokovic s'est mis très en colère contre l'arbitre parce qu'il devait jouer sous la pluie. Le joueur a essayé de sauver la balle, mais a glissé et s'est écrasé sur la ramasseuse de balles. Sans raison apparente, ce joueur a baissé la chaussette de l'arbitre. Ce gamin n'aime probablement pas Djokovic et lui a tiré dessus. Ce joueur a reçu une banane, mais il semble qu'il n'ait pas eu la force de l'ouvrir. Cette ramasseuse de balles s'est humiliée devant la foule parce qu'elle n'arrivait pas à ouvrir le parapluie. Voici ce qui se passe lorsque vous ne choisissez pas un bon sponsor pour vos chaussures. Oh, c'est un autre fine pick-up et Ruben. Federer n'a pas remarqué qu'il venait de gagner le match et est retourné sur le terrain pour continuer à jouer, mais son adversaire était assez confus.
ces joueurs ont eu une très mauvaise surprise pendant la pause. La chute de ce ramasseur de balles est incroyable. L'adversaire de Federer a arrêté de jouer et Roger a quand même réussi à rater un terrain vide. Right at the gluteus maximus. And he's got a quite a large gluteus maximus. Pendant la pause, l'un des joueurs a marché sur le dos de son partenaire en essayant de le faire craquer. Au cours de l'interview, Kyrgios a reconnu une journaliste qui était dans le même pub que lui la veille. Ne jamais célébrer trop tôt. Pendant la pause, Nadal a couru vers le banc pour changer de short et comme vous pouvez l'entendre, les femmes dans le stade semblaient vraiment aimer ça. Ce joueur a tenté de sauver un insecte qui le dérangeait, mais quelques instants plus tard, le ramasseur de balles l'a écrasé, faisant rire tout le public. Cette joueuse a servi si fort qu'elle a réussi à briser le filet. Croyez-le ou non, John McEnroe a trouvé un point mort sur le terrain de Seattle. La chose la plus inattendue s'est produite après un match, lorsque ce joueur a commencé à rapper. Qu'en pensez-vous ? Loving the support, I leave it all on the court. Fighting like a wolf, I'll be back for more. So take care and good night. Know this, the good life. Hot tubs and court time. Thursday, we back, alright? Moment hilarant quand quelqu'un du public s'est moqué de Kyrgios. Federer a frappé le ramasseur de balles et ne s'est même pas excusé. Nishikori a essayé de smasher la balle, mais a complètement raté son coup et le public a commencé à se moquer de lui. Rien n'est plus embarrassant que de rater un coup aussi facile. Oh, what was that? What happens here? 30-40. I think you hit it on the frame. That's what's happened. No. Probable miss. Si vous voulez voir encore plus de vidéos hilarantes, cliquez à droite.